Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoulou Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir avoir une amélioration gratuite sur le mode contagion de Call of Duty Cold War Zombie. Alors depuis la saison 5 rechargée, nous avons une nouvelle mission en mode contagion qui s'appelle le coffre mystérieux Black Schist. Donc c'est le coffre noir. Alors sur votre minimap, vous pouvez voir l'emplacement du coffre qui est représenté par un logo en forme de coffre. Donc ce coffre, vous pouvez le voir à l'écran. Alors quand vous allez essayer de le déverrouiller, il y aura 3 boules qui vont sortir du coffre et qui vont se disperser. Donc vous allez devoir rejoindre chacune de ces boules et en fait vous allez devoir tirer sur cette boule pour la détruire. Alors faites très attention parce que cette boule va tout simplement vous attaquer. Donc essayez de l'attaquer avant qu'elle vous attaque. Et vous allez devoir détruire les 3 boules pour pouvoir terminer la mission et ouvrir le coffre. Alors je pense que vous avez un certain laps de temps pour réaliser cette mission, mais je n'en suis pas sûr. Donc si vous en savez plus, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Quand vous aurez détruit les 3 boules, là vous allez pouvoir vous rendre près du coffre et essayer d'ouvrir le coffre quand la petite tête de diable est en jaune juste à côté de la caisse. Comme ça vous aurez plus de chances d'avoir de meilleurs loot. Alors là quand vous aurez ouvert le coffre, il y aura un squelette qui sortira du coffre. Donc là on le voit pas trop dans le gameplay. Mais bon, il y a une petite animation avec un squelette qui est plutôt stylée. Et de là, ben, vous allez pouvoir obtenir des armes, des équipements, des blindages, des munitions, sûrement des atouts et des équipements de soutien. Et peut-être même un bonus de spécialiste, mais ça je ne suis pas sûr parce que je n'ai pas ouvert assez de coffres pour le savoir. Donc n'hésitez pas à le dire en commentaire si vous en savez plus. Et en plus de ça, vous allez recevoir une coupe qui va vous permettre d'améliorer votre arme au niveau supérieur. Donc si vous n'avez pas encore pack-a-punché votre arme, vous serez en pack-a-punch niveau 1. Et si vous êtes au pack-a-punch par exemple niveau 2, vous pourrez directement aller au pack-a-punch niveau 3 sans payer les 30 000 du pack-a-punch. Donc vous faites une grosse économie d'argent et je trouve que c'est super intéressant et super stylé d'avoir pensé à ça. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikoulou Mec et ciao. Peace.